Le troisième prince qu'il a rencontré, le troisième géant, finalement, si vous vous rappelez, il y avait le vent, le dernier vent qui n'était pas venu à la convocation du géant, et qui a dit, voilà, j'ai amené une princesse. Pourquoi je suis pas venu? Parce que j'ai amené une princesse dans une montagne en or, et un montagne en perles et un château en or. Et donc le prince des vents, il a déclaré au second du royaume, cela fait déjà si longtemps que tu la cherches et tu t'es tant donné de peine. Alors, peut-être vas-tu maintenant rencontrer un obstacle à cause du manque d'argent. D'accord? Et il lui a dit, c'est pourquoi je vais te donner un récipient et lorsque tu plongeras ta main dedans, tu en ressortiras de l'argent. Puis, il donna à ce vent de transporter le second du royaume jusqu'à là-bas. Donc la princesse, elle était déjà arrivée là-bas, dans cet endroit. Mais il a donné aussi ordre à ce vent de prendre le second du royaume et de l'amener donc là-bas, là où se trouvait la princesse. Et donc on est arrivé jusque-là. Ensuite, le vent l'emporta jusqu'au portail. Il l'amena jusqu'au portail. Alors, on peut dire que le portail, il va symboliser Tzion. Tzion, c'est-à-dire, c'est la porte de Jérusalem. Parce que si vous voulez, ce château, on peut le définir, ce château extraordinaire où la princesse s'est retrouvée là-bas, elle est arrivée à destination. On peut le qualifier de la montagne de Tzion, ça veut dire la montagne de Jérusalem où le temple. Le futur temple va être reconstruit. C'est marqué que ce temple-là, le troisième temple, il va descendre du ciel.
Et donc, on peut dire que c'est le monde de Sion, là où il y a, à Jérusalem, et que c'est que donc il l'a amené jusqu'au portail, donc jusqu'à la, ou si vous voulez, à la porte de cette cité. Et il faut savoir que quand il est arrivé donc en fait à la Jérusalem céleste, parce qu'il faut savoir que c'est marqué que ce temple-là, il va pas être reconstruit par les hommes. C'est un temple qui est le troisième. Il est dans le ciel et au moment quand il va être au moment opportun, quand ça va arriver le moment, ce temple-là, il va descendre et directement du ciel dans l'endroit sur la montagne là-bas, la montagne de Jérusalem. Et il faut savoir que finalement, puisque lui, il est arrivé. Le second du roi et la princesse, ils sont arrivés dans ce temple, dans cette montagne-là. Mais si vous voulez, c'est la Jérusalem céleste. Ça veut dire, c'est celle qui est en haut, qui est en haut dans le ciel. Il faut savoir que là-bas, tout est précieux. Chaque chose est très, très précieuse. Et donc, c'est pour ça que le second du roi, il a été doté d'un récipient magique. Et c'est pour ça que, avec ce récipient, il va pouvoir soudoyer les forces de résistance qui vont s'opposer encore à ses réussites. Jusqu'au dernier moment, bien qu'il sait où aller, bien qu'il a été aidé, bien qu'il a passé toutes ces étapes, mais finalement, il faut savoir que plus on monte en degré, plus les choses, elles deviennent très serrées dans le sens où ça devient de plus en plus fin. Et si vous voulez, une petite erreur, elle peut être fatale. Et donc les choses, c'est pour ça qu'il a reçu cette aide. Ou si vous voulez, il pouvait recevoir, mettre la main dans un récipient et recevoir de l'argent de cette chose. Parce que toutes les choses là-bas, elles sont très, très précieuses. Ensuite, c'est marqué qu'il y avait là-bas des soldats qui ne le laissèrent pas entrer en ville. Et donc, c'est marqué que quand une personne, elle vient pour se purifier, quand elle se rapproche pour se purifier, elle est aidée du ciel. Ceux qui viennent pour se purifier seront aidés. Pourquoi? Parce qu'ils en auront besoin. Parce que quand ils vont arriver à la porte de la citadelle, comme c'est le cas du second du roi, alors elle va s'ouvrir très difficilement cette porte-là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début, quand ils sont, si vous vous rappelez, quand au début, c'est la deuxième fois qu'il rencontre des soldats, le second du roi. La première fois, si vous vous rappelez, il a rencontré les soldats quand il est rentré dans l'endroit du pas bon, c'est ce château là où elle se trouvait, la princesse prisonnière. Et donc, il a vu des soldats et il a essayé de rentrer et il y a personne qui l'a empêché de rentrer. Ils avaient même du laxisme, ces soldats, ils l'ont laissé rentrer, ils n'ont pas regardé qui il était, quoi que ce soit. Donc quand il est rentré dans le pas bon, alors ça a été très facile de pouvoir rentrer. Mais maintenant, quand maintenant il rentre dans la citadelle de la sainteté, la citadelle, les portes de la citadelle, ou si vous voulez, c'est l'endroit du bon, alors là-bas, c'est pas si facile de rentrer comme ça. Il faut beaucoup insister pour y rentrer et il faut payer cher. Il faut payer cher parce que c'est si vous voulez, ça a une valeur inestimable. Alors ça demande des efforts inévitables. C'est pour ça que des fois, quand on veut accomplir des bonnes choses et ça nous demande de beaucoup beaucoup d'efforts pour arriver à les accomplir. Et des fois, on peut même ressentir, on avait déjà expliqué ça dans un cours, un repoussement qui vient d'en haut, qui nous empêche de nous rapprocher des choses qui sont grandes. Mais tout ça, c'est pour nous tester et voir si véritablement on veut la chose. En fait, si vous voulez que tous les empêchements qui viennent entraver notre parcours pour arriver à recevoir cette bonne chose, tous ces empêchements-là, ils sont faits juste pour développer le vouloir. Et quand on arrive à développer le vouloir, ça veut dire à faire montrer que malgré tout on veut, ce vouloir-là, il nous permet de passer les étapes
et de pouvoir. Mais si vous voulez, ça demande un effort. Et payer cher, ça veut dire il faut faire des efforts malgré, si vous voulez, si on veut, on peut trouver des preuves qu'on veut pas de nous. On peut trouver des preuves, on peut trouver des excuses. On dit, mais j'ai essayé, ça a pas marché, etc. On peut trouver toutes sortes de preuves. Et donc, c'est ça payer cher. C'est-à-dire que malgré les excuses qu'on pourrait avoir, alors on lâche pas le vouloir. C'est ce qu'il a fait tout au long de son parcours, le second du roi. Malgré les chutes, malgré les retours en arrière, malgré, etc., il était obstiné et déterminé. C'est ça qui l'a fait toujours avancer. C'était ça le moteur. Mais là, si vous voulez, il est arrivé à un endroit décisif où c'est les portes de la citadelle, les portes du grand portail, et que là-bas, il va falloir que il paye très très cher. Alors, et finalement, l'aide essentielle qu'il va recevoir le second du roi, c'est la mesure de patience obstinée qu'il saura trouver en lui-même. C'est ça en fait le secret de chacun de nous. On est mis à l'épreuve sur la patience. C'est-à-dire qu'on pense que c'est terminé, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait. Et on a, si vous voulez, comme je vous disais, des excuses qui nous prouvent que ce n'est pas possible, mais en vérité, c'est du ciel, si on continue à vouloir malgré tout. Alors qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir, si vous voulez, le principe de trouver de la patience et d'être obstiné, ça veut dire de trouver de la patience et qu'on saura trouver cette patience en nous-mêmes. C'est ça la clé. D'accord? Donc après, c'est marqué, il entra en ville. C'était une belle cité. Alors, comme on a dit tout à l'heure, cette cité, c'est Jérusalem. C'est marqué que dans notre tradition, qu'il y a 10 mesures de grâce qui descendirent sur terre. 10 mesures. 9 mesures furent accordées à Jérusalem et la dernière au reste du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une proportion extraordinaire. C'est-à-dire que Jérusalem, c'est pour ça qu'entre parenthèses, sans rentrer dans des explications ni politiques ni géopolitiques, mais les derniers événements qui se sont déroulés et qui se déroulent depuis fort longtemps, depuis toujours, depuis la destruction du temps, c'est que toutes les nations, elles prisent cet endroit, alors qu'il est tout petit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a d'autres villes, il y a d'autres. Mais là-bas, il faut savoir que c'est le centre du monde, dans la mesure où, si vous voulez, c'est l'endroit où le temple, et c'est l'endroit où le temple a existé, et il va revenir, ce temple-là. Si vous voulez, l'endroit tout le bien se trouve là-bas. Et comme chacun, il ressent et il convoite sans le savoir cet endroit, donc il y a des guerres, il y a des guerres, il y a mais qu'est-ce que vous voulez? La tradition, Dieu, il a donné cet endroit à la nation, au peuple juif. Bien entendu, ça sera reconnu par toutes les nations quand le Mashiach viendra, sans armes. Il n'y aura pas besoin d'armes, il n'y aura pas besoin de guerre, il n'y aura pas besoin de roquettes. Ça sera fait dans, chacun y comprendra que, à qui ça appartient. Mais en attendant, on n'est pas encore arrivé à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il y a ça s'enflamme, etc. Et le monde entier s'en mêle. Vous voyez, par exemple, il peut y avoir des milliers de morts dans d'autres endroits, etc. On va pas en parler. Des pogroms, des gens qu'on gaze en Syrie, partout dans le monde, on va pas en parler. Mais là, pourquoi? Parce que c'est l'endroit de sainteté. Et justement, parce que ces 10 mesures de grâce, la grâce, c'est quelque chose que, on est toujours attiré par la grâce. Quand on voit quelque chose où il y a de la grâce, sans le savoir, sans le comprendre, on est attiré. Il y a une aimantation de la chose qui nous attire vers cette grâce. Et imaginez-vous que maintenant, Jérusalem, elle a reçu 10, il y a eu 10 mesures de grâce qui sont descendues sur terre, et Jérusalem en a reçu 9. Et une mesure de grâce qui est partie dans le reste du monde. Donc, si vous voulez, la Jérusalem céleste, d'accord, il y a toujours une symétrie,
Il y a tout ce qu'il y a dans le, dans, dans le, en haut dans le ciel, c'est un reflet, en vérité, ce qu'il y a sur terre, c'est un reflet de ce qui se passe dans le ciel. Et si vous voulez, la Jérusalem céleste, elle se reflète, sans nul doute, d'accord, dans la Jérusalem terrestre, ce qu'on voit ici à Jérusalem. Celui qui a été à Jérusalem, nos yeux peuvent le témoigner, que c'est, il y a vraiment là-bas celui qui est sincère. Il verra là-bas une grâce surnaturelle. C'est indéniable que c'est quelque chose de. Il y a une lumière spéciale. Il y a quelque chose de très spécial qui se passe là-bas. Et c'est justement parce qu'à cause de ces 9 mesures de grâce qui sont tombées dans et qui sont descendues à Jérusalem. Et maintenant, donc certains voient certains y voient cette Jérusalem comme un domaine paradisiaque, d'accord, où l'âme, elle aurait accès après avoir atteint l'éveil, c'est-à-dire, et ses vicissitudes terrestres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, c'est comme le second du roi, pour qu'il soit arrivé devant ce grand portail, qu'on a dit, cette montagne, attention, il n'est pas encore rentré, hein, mais il est déjà arrivé à destination, après, il y a encore d'autres étapes, mais il n'est pas encore rentré. Mais déjà, s'il est arrivé là-bas, ça veut dire que il a tellement langui cette Jérusalem céleste, d'accord, ce château en or, cette montagne en perles, il a tellement langui qu'il est arrivé là-bas. Et finalement, c'est après avoir atteint l'éveil, c'est l'éveil comment il l'a atteint, par toutes les vicissitudes qu'il a passées ici-bas, toutes les chutes qu'il a passé et l'obstination qu'il a endurée, qu'il était obstiné sans arrêt, c'est comme ça qu'il est arrivé là-bas. Et bien, si c'est tel le cas, d'accord, cet accomplissement, il ne serait nullement lié à notre départ de ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mourir pour entrer dans le paradis. D'accord? Puisque finalement, c'est quoi le paradis? C'est principalement un état de conscience auquel on peut accéder de partout dans le monde. Ça veut dire que quand une personne, c'est pour ça que c'est marqué que celui qui a de la conscience dans ce monde, c'est comme si qu'il a construit le temple. Il est considéré comme quelqu'un qui a construit, parce que la conscience dans l'esprit d'un être humain, d'un homme, une femme, d'un être humain, il faut savoir que c'est comme avoir construit le temple, parce que c'est un état de conscience. Et donc, quand quelqu'un il est dans cet état de conscience, il est arrivé, il a accédé au paradis, il est arrivé déjà, si vous voulez, à cette montagne, dans cette montagne où le second du roi il est arrivé. L'âme, elle a lutté, d'accord? Et avec tant de persévérance, elle va atteindre tôt ou tard dans ce monde-ci un état de sérénité qui transforme n'importe quel contexte en belle cité. C'est-à-dire que maintenant, à force de persévérance, et voyez, on parle de choses très très élevées, mais Rabbi Nachman, il parle de choses absolues, mais la grandeur et la chose merveilleuse que Rabbi Nachman il nous dit, c'est que finalement, si quelqu'un il est persévérant et qui continue à dire que oui, ça existe. Pourquoi il dit que ça existe? Tout simplement parce que, au fond de lui-même, il sent qu'il a reçu des appels, il a reçu des reflets, de la lumière, et il sait que ça existe. Pourvu qu'il continue à alimenter ce vouloir, malgré tout ce qu'il peut endurer. Mais s'il continue à alimenter ce vouloir, à un moment, ce vouloir-là, il va se transformer en conscience. D'accord? Qui va commencer à l'éclairer et il va arriver dans cet état de sérénité. C'est pour ça que, comme on dit, il faut jamais lâcher, parce que finalement, une personne, si elle lâche pas, même si après cet état de conscience, il doit se faire quand la personne elle quitte ce monde, mais elle sera rentrée, elle sera rentrée, si vous voulez, comme on dit, à la maison, elle sera rentrée dans cet état de sérénité. Pourquoi? Parce qu'elle aura pas, elle se sera pas découragée, malgré les difficultés. Malgré les difficultés.
Voilà. Donc, alors maintenant, après, ensuite, on voit dans l'histoire qu'il se rendit chez un riche habitant. D'accord? Donc, c'est marqué que un riche habitant, ça veut dire pour aller louer là-bas une maison, quelque chose, un appartement, pour être. C'est marqué que la fortune, elle élargit parfois l'esprit. Quand quelqu'un, il a de la. On dit bien parfois que quand quelqu'un, il y a des fois des gens qui ont de l'argent, ils ont l'esprit élargi grâce au fait qu'ils ont de l'argent. Tout comme la grandeur d'âme, quand une personne. Elle a pas d'argent, mais qu'elle a une grandeur d'âme. Alors c'est aussi quelque chose qui attire la fortune, d'accord? Donc ça va, c'est des fois la fortune, c'est pas toujours. Hein. Il y a peut avoir des gens qui sont fortunés, mais qui n'ont pas l'esprit large. Et en général, quelqu'un qui a l'esprit large, c'est quelque chose. Ça veut dire quoi fortuné? Ça veut pas dire qu'il a beaucoup d'argent. Ça veut dire que il a pas peur du lendemain. Il se contente de ce qu'il a. Il est content avec ce qu'il a, c'est ça quelqu'un de fortuné. Et pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont pas tranquilles. Donc ça veut dire que ça s'appelle pas de la richesse, puisque cet argent-là, il leur amène pas la sérénité. Alors on voit ici que le second du roi, qui a été fait noble depuis peu de temps. Pourquoi il a été fait noble depuis peu de temps? Parce que il a reçu ce récipient où il pouvait sortir l'argent dont il avait besoin pour payer ses frais, pour avoir, imaginez-vous, quelqu'un qui a de l'argent et dès qu'il en roule, acheter des habits, acheter une voiture, n'importe quoi, tout ce qui, il met l'argent dans ce récipient et il sort ce qu'il a besoin. Donc, il a été fait noble, il a été anobli depuis peu de temps. Et finalement, ce second du roi, il est en train d'évoluer dans une fréquence qui convient à son nouveau rang. Et tout ça, c'est la divinité. Tout ça, c'est Dieu qui lui a donné. D'accord? Pourquoi? Parce que là où il était maintenant, il avait besoin de ces choses-là et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Maintenant, cet accès qu'il a eu accès à cette noblesse, à cette certaine noblesse, ça va le préparer à réunir l'audace qui lui sera nécessaire pour son ultime épreuve. D'accord? Il va être obligé. Et c'est ça que toutes ces aides-là, c'est des armes, c'est des forces qu'on alloue à l'homme pour pouvoir qu'il commence à grandir dans l'audace, à avoir de l'audace. Et quand il a l'audace et qu'il a tous les moyens, alors après, il va pouvoir passer l'épreuve qui va venir après. Alors, on continue dans le texte. Il est nécessaire d'attendre là-bas, car il faut agir avec intelligence. Ça veut dire que maintenant, il est rentré dans la cité, mais il ne peut pas maintenant commencer à se rapprocher de l'endroit où se trouve la princesse, parce que il faut qu'il attende là-bas. Il faut qu'il soit dans un endroit et qu'il attende. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut agir avec intelligence. Maintenant, on voit que dans l'enseignement numéro 6 du Likutey Moharan de Rabbi Nachman, dans le premier volume, alors on voit là-bas un enseignement qui dit que la patience, elle représente la condition comportementale primordiale qui donne accès à la sagesse. Si une personne n'est pas patiente, elle est disqualifiée, c'est pas marché. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, pour découvrir la lumière, pour découvrir, il faut beaucoup, beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. On nous le dit au moins, la chance qu'on a, c'est que il y a des tzadikim, il y a Rabbi Nachman qui nous l'a dit et qui nous le dit, qui nous fait, il nous cesse que de nous le répéter, qu'il faut beaucoup de patience. Donc, maintenant, il faut savoir que au niveau méditatif, si on rentre dans la méditation, qu'est-ce que ça veut dire la patience? Parce qu'après, plus tard, on va voir que il dit comme ça, il est nécessaire d'attendre là-bas, car il faut agir intelligemment, avec sagacité, pour faire sortir la princesse. Donc, au niveau méditatif, la patience et la sagacité, c'est quoi la sagacité? C'est
c'est quelqu'un qui a un mode de raisonnement créatif, d'accord? Qui a une rapidité d'esprit. C'est ça la sagacité. Il va très très vite dans sa tête. Mais en même temps, il faut avoir de la patience et de la sagacité. Et au niveau méditatif, si on prend ces deux choses, d'accord? Alors on va voir qu'elles sont reliées à l'exercice de la respiration. On en a déjà parlé la dernière fois ou avant-dernière fois. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en hébreu, Mishneh Lameler, ça veut dire le second du roi, ce qui signifie aussi, qui signifie le second, d'accord, le second du roi Mishneh, ça a la même origine étymologique que Neshima. Neshima qui signifie respiration. Donc on trouve au niveau étymologique que le second et la respiration, Mishneh et Neshima, c'est les mêmes lettres. Et donc, si vous voulez, sa dernière épreuve, c'est d'être patient et d'être sagace, d'avoir de la sagacité. Finalement, physiquement, ce qui nous empêche le bon développement à nous tous de l'organisme, c'est en grande partie la manière lamentable dont nous négligeons notre respiration. On respire pas du tout. On respire parce que on a besoin d'air. Et que si on n'a pas d'air, on va mourir. Donc c'est une question. On respire parce que c'est instinctif. Mais en fait, on respire pas par rapport à la valeur de la respiration. On ne sait pas ce que c'est la respiration. Finalement, moralement, quand on est atteint moralement, il faut savoir que comment on respire, on allaite comme c'est nos allaitements précipités et incomplets. Accentue l'effet du stress. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui, imaginez que ça s'appelle le soufre kotser-ruach, le souffle court. C'est ce que les esclaves en Égypte, les esclaves juifs en Égypte, ils avaient pas de souffle. Ils avaient le souffle court et c'est ça l'esclavage. D'accord? Le stress du monde dans lequel on vit, ça nous amène, si vous voulez, des allaitements de respiration. Et finalement, c'est le stress. Et c'est quoi le stress? C'est en fait le fruit de l'impatience. L'impatience. Quelqu'un qui est stressé, c'est qu'il veut faire vite les choses parce qu'il est impatient, parce qu'il croit qu'il va pas avoir le temps, parce que si, parce que c'est l'esclavage. C'est ça l'esclavage. Donc il n'a pas de respiration et donc il n'est pas patient. D'accord? C'est la même chose. Spirituellement, il faut savoir que celui qui vise l'éveil et l'illumination, ça veut dire l'éveil, ce qu'on cherche finalement. L'éveil, ça veut dire rentrer dans un état d'éveil de conscience qui nous donne de la hauteur et qui nous libère, d'accord? Il n'y a aucun moyen d'y parvenir sans dominer correctement son souffle. C'est pas possible. Parce que tant qu'une personne, elle est stressée, donc son souffle, il est court, il est saccadé. Et quand il est stressé, il faut savoir que même les pulsions de son cœur, elles sont aussi saccadées. Son pouls, il est saccadé. Il vit pas un bon régime. Son régime, il va trop trop vite. Et à cause de ça, il est impatient, il est stressé, il vit dans l'angoisse. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que le roi Salomon, il nous dit dans les Proverbes, mieux vaut un homme à la longue haleine. D'accord, c'est-à-dire qu'il a un souffle long, un souffle, il respire, d'accord, une longue haleine, qu'un héros. Et il continue, il dit, et qui l'homme qui domine son souffle plutôt qu'un conquérant de citadelle? D'accord? On voit finalement, et si vous remarquez bien, chers amis, vous allez voir que tout ce qu'on nous fait montrer au niveau communication, que ce soit dans les films ou dans, c'est que des soi-disant héros qui arrive à faire des exploits, et c'est pas la réalité, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et si vous voulez, les gens s'identifient à ces choses-là, ils croient que c'est comme ça qu'il faut être. Mais sachez une chose, c'est que quand une personne elle voit un film et qu'elle voit un héros qui a fait ou qui a fait des exploits, etc., et qui s'identifie et qui soi-disant prend des forces de ça, il prend aucune force de ça. Sachez que ça va lui faire entrer une espèce de force, soi-disant, qui est complètement imaginaire,
mais qui va lui mettre encore plus la pression. Parce que il va, sans le vouloir, il va vouloir s'identifier à cette chose-là, et il va, si vous voulez, se servir de entre parenthèses, de ses biceps, en croyant que c'est parce que c'est avec sa force qu'il va réussir. Ok? Donc ça s'appelle un conquérant de citadelle, ou ça s'appelle soi-disant un héros. Mais en vérité, quelqu'un, il nous dit le roi Salomon, Shlomo, celui qui a la longue haleine, il vaut mieux qu'un héros, et l'homme qui donne son souffle, il vaut mieux qu'un conquérant de citadelle. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, on voit ici que, comme il est arrivé et qu'il était nécessaire d'attendre là-bas, c'est-à-dire d'être patient, donc tout ça, ça a trait à notre respiration. Je ne sais pas si c'est le cours dernier dont on a parlé de ça ou le cours d'avant, encore avant, mais encore une fois, c'est toujours cette même recherche. On a parlé de respirer et de rythmer sa respiration et de trouver une espèce d'équilibre. Ne serait-ce que de même si une personne elle respire profondément, elle inspire avec son nez et qu'elle remplit son ventre, pas ses poumons. Les poumons elles sont remplis aussi, mais qu'elle essaie d'amener l'air jusqu'à son ventre. Quelqu'un qui est habitué, qui est pas habitué, vous allez voir qu'avec quelques respirations, vous allez avoir le tournis. Pourquoi? Parce que le cerveau, il n'est pas oxygéné. Et quand il n'est pas oxygéné, alors ça donne le vertige. Mais si quelqu'un, il commence à faire ça, ne serait-ce que 2-3 minutes par jour, je peux vous garantir que les choses, elles changent complètement dans sa vie. Parce qu'il commence à, si vous voulez, à aller à contresens de sa respiration, de ce stress. Parce que si quelqu'un ne respire pas, chers amis, il faut savoir que c'est obligé qu'il est dans le stress. Obligé. S'il respire pas, ça veut pas dire que quand il va respirer, il va arrêter son stress. Mais c'est 3 minutes qu'il va faire, on va dire 2 minutes le matin et 2 minutes le soir, petit à petit, quand il va intégrer cette chose-là, c'est pas si facile que ça. Pourtant, 2 minutes, c'est quoi? C'est 120 secondes. C'est pas assez, ou 180 secondes si c'est 3 minutes. C'est pas si long que ça. Mais ça demande une discipline et un travail. À la clé, je peux vous garantir, parce que je le pratique et je le vois tous les jours sur moi, c'est que ça change complètement les choses. On commence à prendre du recul sur les événements. Je vous avais expliqué, on avait fait un cours là-dessus. On se connecte à notre neshama. Si vous allez revoir le cours là-bas, on se reconnaît à notre neshama, à notre âme. Et c'est bon. On pourrait parler encore beaucoup là-dessus, mais voilà. C'est des fenêtres de recherche que chacun qui doit développer. Alors, on continue dans le texte. Car il faut agir intelligemment avec sagacité pour faire sortir la princesse. Il faut savoir que plus une personne, elle va s'élever, plus les épreuves s'affinent et se renforcent. Ça veut pas dire qu'elles s'affinent, d'accord? Et maintenant, on voit que le second du roi, il est en fin de périple. Et que ce second du roi, il affronte de terribles cohortes célestes, d'accord? C'est pas facile. Et il doit, à leur rencontre, faire preuve d'une grande sagacité, d'une rapidité d'esprit. Grâce à Dieu, il faut savoir que ce qu'il a développé pendant tout ce qu'il a passé, c'est qu'il s'est entraîné. C'est des entraînements. Quand quelqu'un, il chute et qu'il se relève, c'est ça qui amène la sagacité. Parce qu'après, il commence à comprendre certaines choses qui développent, si vous voulez, sa façon de raisonnement, son raisonnement, il devient créatif. Il apprend de ses erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend à avoir de la sagacité. D'accord? Donc lui, il faut savoir que maintenant c'est plus une question, il a plus besoin d'une, c'est plus attrait sur le physique. Il a plus besoin de force physique, ni d'endurance nerveuse, d'accord? Mais tout va être dans le cérébral. Si on doit donner un exemple, c'est comme la différence qui existerait entre un match de boxe, d'accord? Et une partie d'échecs. Imaginez-vous quelqu'un qui va faire un match de boxe. Alors, il va déployer des,
il va déployer des forces inestimables pour pouvoir abattre son adversaire, alors que le second, c'est une partie d'échec. Il va être obligé d'avoir un stratagème, de bien réfléchir, comment faire, etc., et d'être rapide. Ok? Donc voilà où il s'est retrouvé maintenant le second du roi. Comme il la sauva, Rabbi Nachman ne le raconta pas. Alors comment il la sauva? Ça veut dire comment il sauva la princesse. Rabbi Nachman, il n'a pas raconté comment. Mais à la fin, il la libérera. Il la libéra. D'accord? À la fin, il la libéra, ça c'est sûr. Comment Rabbi Nachman, il n'a pas raconté comment? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a commencé la princesse, l'exil d'une princesse, dans les premiers cours, dans l'introduction, on avait dit que c'était une histoire vraie. Ça veut dire quoi, une histoire vraie? C'est-à-dire que c'est une histoire qui est en cours, qui est en train de se passer maintenant où on en parle. C'est-à-dire que l'histoire de la princesse, l'exil d'une princesse, on est dedans. D'accord, chacun dans sa vie et au niveau de ce qui se passe dans le ciel, de ce qui se passe dans un certain endroit, c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. La scène, elle est en train, toutes les scènes, elles sont en train de se jouer. Et maintenant, si vous voulez, d'une manière globale, cette libération de cette princesse, elle n'est pas encore achevée, puisque si vous voulez. Elle n'est pas achevée puisqu'on n'est pas encore arrivé à la fin de l'histoire. Mais si vous voulez, c'est pour ça que elle peut pas être comptée tout en entier. On peut pas expliquer, si vous voulez, comment, si vous voulez, le second du roi, il a sauvé la princesse. Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il l'a pas raconté, parce qu'on est encore. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, j'ai terminé, je terminerai. Ça veut dire que j'ai tout fini, ça y est, tout a été réparé, tout le monde, je vais réparer le monde, tout est réparé et je terminerai. Comment quelqu'un peut dire j'ai terminé, je terminerai? Ça veut dire c'est comme si que maintenant vous avez déjà vu la fin du film, mais vous êtes en train de voir le film, il est aux trois quarts terminé, vous savez que ça va se terminer, mais vous êtes encore dans le film, vous comprenez? On est encore dans le film, c'est pour ça que Rami Nachman il peut pas le raconter, de raconter la fin de comment ça s'est passé, comment il va sauver la princesse. Et maintenant, il y a encore une autre explication. C'est que Rabbi Nachman, il connaît bien le dénouement de l'histoire de chacun de ses disciples, chacun de nous, d'accord? Si on est là en train d'étudier le conte de Rabbi Nachman, c'est que quelque part, on est des disciples de Rabbi Nachman. Et donc, Rabbi Nachman, il connaît bien le dénouement de l'histoire de chacun de ses disciples. Mais puisque tout l'enjeu du conte, c'est la conquête de nous-mêmes, de soi-même, d'accord? D'arriver à trouver qui on est et à savoir, à libérer cette neshama, d'accord? Et de la révéler avant l'heure, alors ça annulerait tout notre mérite. Parce que si maintenant Rabbi Nachman, il avait dévoilé comment, si vous voulez, le second du roi, il a libéré la princesse, ça veut dire qu'on aurait eu la clé. Comment rentrer dans ce voyage à l'intérieur de nous et de sortir notre vraie identité, notre vraie âme, et de la sortir complètement de nous, de la faire sortir. Mais si on nous donne la clé, alors on perd tout le mérite parce que finalement, ce qu'il attend Dieu de nous, c'est la conquête de nous-mêmes. C'est-à-dire que d'arriver à cet endroit-là, qui, encore une fois, le conseil principal que Rabbi Nachman il a donné, c'est la méditation, c'est-à-dire le fait de s'isoler et de parler avec son Créateur tous les jours et dans sa langue maternelle. D'accord? Et maintenant, pour nous, quand on va méditer sur ce conte, alors on va pouvoir y déceler, comme on a fait depuis le début, des allusions, des allusions, des solutions, des liens de connexion. Il y en a plein, plein dans ce conte-là, avec le niveau le plus profond qui soit, d'accord? Puisque dans ce conte, il y a beaucoup, c'est des choses très profondes et très élevées. Et c'est quoi le niveau le plus profond qui soit? C'est le cœur de la princesse
C'est le cœur même de la princesse. Et où il se trouve ce cœur de cette princesse? Il se trouve à l'intérieur de notre cœur à nous. Voilà où se trouve le cœur de la princesse. Il faut savoir que il y a un cœur, il est là. C'est le cœur de la princesse. Mais maintenant, c'est quoi la conquête de nous-mêmes? C'est d'arriver à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver dans notre cœur ce cœur de cette princesse. Alors, si on fait un retour vers la phrase du départ, vous vous rappelez au départ quand on a parlé de Rabbi Nachman, il a dit, en chemin, j'ai raconté une histoire, et tous ceux qui l'ont entendue ont éprouvé un élan de retour. C'était ça, c'est ça. Avant de commencer l'histoire, Rabbi Nachman, il a dit cette phrase-là. Il faut savoir que ce chemin, c'est la route qui mène vers l'arbre de la vie, vers lequel il nous faudrait connecter notre parole, d'accord? Et que cette parole, elle soit jamais lettre morte, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour expliquer différemment, il faut savoir c'est que c'est encore une fois que c'est encore et ça parle encore ici, si vous voulez. Du fait de faire la hitbo des doutes. Connecter la parole, ça veut dire que c'est notre seule arme qui nous lie au divin. C'est-à-dire que il faut savoir que Dieu, quand il a créé tout son univers, il l'a créé avec 10 paroles. D'accord? Que la lumière soit, la lumière fut. D'accord? Etc. Et maintenant, ça veut dire quoi que la lumière soit et la lumière fut? C'est-à-dire qu'avec la parole de Dieu, le monde s'est créé. On apprend de là que la parole, elle est créatrice. Si on apprend la parole que la créatrice, qui est créatrice, on apprend de ça que la parole, elle est créatrice, ça veut dire que Dieu, il nous a donné un pouvoir dans la parole. Ce pouvoir-là, les animaux ne l'ont pas. Ils n'ont pas le pouvoir de la parole, donc ils n'ont pas cette chose. Mais l'humain, lui, a la possibilité, avec sa parole, de créer. D'ailleurs, on dit que la parole, elle peut tuer une personne. Une mauvaise parole, une mauvaise réflexion, un affront, il peut blesser une personne à vie. Il y a des gens qui sont blessés à vie par des paroles qu'ils ont pu entendre et ça peut faire des traumatismes terribles à la personne. On est tous passés par là, même des fois dans notre jeunesse, on le sait des fois même pas. Des fois, pourquoi? Parce que un enfant, s'il reçoit une mauvaise parole, il fait pas la part des choses, il croit que c'est ça la vie. Donc il va recevoir une mauvaise parole ou un cri ou des alors comment il va prendre les choses? Il croit que c'est comme ça la vie. Donc maintenant il fait pas de discernement. Mais il faut savoir que et puis il a pas d'aussi de il peut pas se défendre. Donc il subit et ça crée des plaies extraordinaires très grandes que la personne après quand elle grandit elle va se construire un si vous dire une carapace, d'accord? Mais c'est juste une carapace mais à l'intérieur cet enfant qui a été blessé, il le traîne pour toute sa vie, il reste avec cette chose-là. Et la parole qui est créatrice, elle permet de libérer ces choses-là et nous guérir de toutes ces plaies. La parole, elle va nous amener petit à petit vers la guérison. La guérison, chacun, on est tous balafrés au niveau de notre âme et ça va nous amener vers la guérison. Il faut savoir aussi que le sentiment de remords, c'est l'éveil de notre conscience. Quand on a du remords sur quelque chose, ça veut dire que notre conscience, elle s'éveille. Et c'est qui cette conscience? C'est aussi le second du roi. Ça veut dire que maintenant, quand des fois on a une conscience qui s'éveille, vous vous rappelez qu'au début du conte, quand le roi, il était peiné, que la princesse elle avait disparu, eh bien le second du roi il s'est éveillé, il est parti voir le roi, il lui a dit je donne-moi un serviteur, donne-moi de l'argent pour les frais et un cheval et je vais aller me mettre à la recherche de la princesse. Vous vous rappelez au tout début. Et donc cette conscience-là, cet éveil, ça s'appelle le second du roi. Et finalement, ce second du roi, qu'est-ce qu'il vit? Il va voir le futur de son passé. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
Par exemple, quand on est le mercredi. Imaginez qu'on est le mercredi. Alors, le vendredi, quand on va penser au vendredi, c'est le futur, d'accord? Mais quand on va arriver à vendredi, quand on y arrive enfin, alors ce futur, il devient présent. Tandis que le mercredi, il est bien passé, d'accord? Il est devenu passé. Mais il faut savoir que quand on se lie, d'accord, aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, à notre passé, par une réflexion réparatrice, c'est-à-dire que on a des remords, mais pas des remords dans le sens des remords qui tuent, des remords qui cassent la personne. C'est des remords où on cherche la réparation. C'est pour ça que c'est très important la parole. C'est-à-dire qu'on se remémore certaines choses qu'on regrette et qu'on demande à Dieu de nous aider à nous mettre sur le chemin de la réparation. Et Dieu, il nous met sur ce chemin-là. Il nous donne la possibilité, il amène à nous des situations qui nous donnent, si vous voulez, la chance de pouvoir réparer. Et on répare comme ça. Parce qu'on, alors, quand on va se retrouver, si vous voulez, dans ce genre de réflexion, quand on va penser à notre passé, avec un soupir, un remords, pour ça, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans l'Aïd Bodedout, qu'on retrouve dans le fait de s'isoler avec Dieu. Alors, on va transcender et on va unifier le temps. C'est-à-dire, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est le mystère du pardon. C'est-à-dire, et c'est celui aussi de la réparation. C'est-à-dire que quand on arrive à revenir dans le passé, par le fait que on arrive à parler avec Dieu, et lui a expliqué qu'on a un poids sur notre conscience et qu'on aimerait réparer cette chose-là. Il n'y a pas une autre manière que de libérer notre conscience que de faire ça. Et là, après Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous amener à une réparation. Il va nous amener à une réparation, attention, 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 à une réparation qui est à notre mesure, qui est harmonieuse, qui est possible, qui est humaine, vous comprenez? Alors que si on ne fait pas cette réparation, on a quelque chose qui nous pèse sur notre conscience et qui nous triture notre conscience qui est très dure à porter et on vit avec, mais on n'est pas bien. Vous comprenez? La vraie réparation, c'est ça, c'est de se libérer de ces choses-là. Donc, c'est une opération qui est au-dessus du temps, qui permet de tout effacer, de tout réparer, d'absoudre et de pardonner vraiment. Mais il y a un travail, c'est notre parole, c'est-à-dire de commencer. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous enseigne ici, dans ce qu'on vient de dire, dans ce secret, il nous enseigne secrètement comment retrouver notre princesse disparue et réparer nos univers. Parce que sachez une chose, c'est que quand on parle de la réparation du monde, que Rabbi Nachman, il est venu pour réparer le monde parce qu'il a la clé pour ça. Il faut savoir que il nous donne des clés à chacun de nous pour réparer nos univers. Quand on va réparer nos univers, alors automatiquement, le monde entier, il sera nouveau. On va comprendre certaines choses. On va comprendre que tout était pour le bien. On va se libérer par notre parole de toutes les poids qu'on a sur notre conscience. Et les gens, parce que sachez une chose, que quand on a des poids sur la conscience, automatiquement, quand on voit notre prochain, on peut pas communiquer, c'est très difficile de communiquer avec l'autre d'en face. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé tous ses problèmes. Et on a des choses qui, si vous voulez, on a des c'est comme des artères débouchées. On est bouché, on n'arrive pas. L'énergie, elle circule pas là-bas, vous comprenez? La lumière, elle circule pas là-bas, et à cause de ça, alors on peut pas communiquer. À partir du moment où on commence à se libérer, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à voir les gens d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, si vous voulez, tout le mal qu'on peut voir chez les autres, c'est tout simplement. On l'avait dit ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Finalement, c'est un reflet de nous-mêmes. C'est des choses
qu'on reconnaît chez nous, mais on voit chez les autres. Alors on le voit chez les autres, mais en vérité, ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'il y a chez nous. Mais quand on se débarrasse de ces choses-là, alors automatiquement, on va...